Couronnement de Charles III. Pourquoi Camilla Parker vole plus le titre de reine consort? Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné à l'abbaye de Westminster. Reine consort depuis la disparition d'Elisabeth II et désignée reine sur les cartons d'invitation officiels de la cérémonie. Camilla Parker Bowles semble sur le point de changer de titre. Le Royaume-Uni s'apprête à célébrer le couronnement de son nouveau roi. Monté sur le trône juste après la disparition de la souveraine en septembre dernier. Charles III sera officiellement couronné sous les yeux du monde entier le 6 mai prochain. La cérémonie aura lieu à Londres, au cœur de l'abbaye de Westminster, 70 ans après le sacre d'Elisabeth II en juin 1953. Un événement historique particulièrement attendu auquel sont conviées de nombreuses personnalités. Ce mercredi 5 avril, Buckingham Palace a d'ailleurs dévoilé l'invitation officielle du couronnement envoyée à 2000 invités. Et un détail a particulièrement retenu l'attention des tabloïds britanniques qui ont alors remarqué que les cartons au style printanier révélés portent la mention King Charles III et Queen Camilla. Cette nouvelle semble marquer un tournant pour la place de Camilla Parker Bowles dans la monarchie britannique. À la demande d'Elisabeth II, lorsque son époux est devenu le roi Charles III à la mort de sa mère. La femme du souverain s'est quant à elle vue attribuer le titre de reine consort. Une désignation qui signifie qu'elle bénéficie du même sort que le roi Charles III sans pour autant avoir les responsabilités qui incombent au souverain. Désormais, celle qui portera la couronne de la reine Mary en mai prochain abandonne ce titre initial pour finalement être désignée reine sur chacun des documents officiels. Auprès du Times, une source royale indique qu'il était logique de désigner Sa Majesté comme reine consort dans les premiers mois du règne de Sa Majesté Charles III pour la distinguer de la reine Elisabeth II. La reine Camilla est le titre approprié à opposer au roi Charles sur l'invitation. Le couronnement est un moment approprié pour commencer à utiliser la reine Camilla comme titre officiel. Poursuite la source. Selon le Mirror, le palais de Buckingham a déclaré que la reine consort était le rang de Camilla, tandis que reine serait son titre.